Bon. Alors. Vous voulez que j'essaye? Je comprends pas, c'est forcément une de celles-là. Hein. Bon. Ouais. Ah, c'est la même. C'est là. Ouais. Bah, vous allez voir, hein, c'est vraiment très très joli. Ah, ah bravo. Bon, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Bah, bienvenue à bord. Vas-y, rentrez. Waouh! Oh là là, c'est beau! Regarde, c'est plus beau que la Corse, hein? C'est hyper beau! Oh, c'est magnifique, hein? Bravo! Merci. Hein. Bon, ben, il y a des serviettes et des draps propres dans l'armoire, là, dans la chambre. Ouais, d'accord. Et bon, la télévision, bon, elle marche. Hein, ah, super. Juliette, viens voir. T'as de la chance, t'as un joli petit lit. Je te le mets si tu veux. Hein. Moi, personnellement, hein, je prendrais celui du bas parce que celui du haut, il manque de latte. Et il voudrait se crier de passer au travers. Hein. Non, ben, je rigole. En fait. Et il n'y a pas Internet? Ah non. Non, mais si vous avez besoin, j'habite à trois rues. J'ai Internet. Bah, vous passez où, vous m'appelez. Hein. Oh, c'est gentil, mais on va pas vous déranger. Hein. Ah non, 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 ça me fait plaisir. Et vous êtes de Paris? Oui, oui, enfin juste à côté, à Asnières. Ah oui, moi je connais bien Porte de Champéry. La rue Guillaume Tell, boulevard Berthier. Ah bah, c'est marrant parce que moi je prends le bus tous les matins à Porte de Champéry. C'est drôle. Bon. Ça va bien? Oui, toi. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. C'est quoi cette attaque là? Pas peur, on n'est pas méchant. Non, non, on n'a pas peur. Alors je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous n'allez pas perdre votre temps. En fait, on n'aime pas les mecs. Vous êtes des goulous alors? Bah ouais, désolé. Oh, c'est dégueulasse. Arrête, c'est sa daronne. Quoi? Daronne? Alors la daronne et les trois petits puceaux alors? Vous savez, dans les trois petits puceaux, il y en a toujours un qui a besoin d'expérience. Bon, sinon, vous êtes du coin, non? Non, on n'est pas du coin, non. Vous ne connaissez pas du tout, alors? Non. Ça vous intéresse de venir boire avec nous ce soir? Vous avez une bonne petite boîte dans non, le coin? Non, 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 merci. Non, bon, pour faire non, plaisir. Non. Ben non, parce que en plus, j'ai mon mec qui est là. Donc, ton mec? Quel mec? Mon mari. T'as un mari, toi? Oui, j'ai un mari. Il est où, ton mari? Voilà. Il est là-bas, mon mari. Il nous regarde et d'ailleurs, il est assez jaloux, donc ce serait bien que... Il n'est pas obligé de le savoir, moi, je ne suis pas jaloux. Et l'océan est plein de poissons. Oui. Ouais, mais tu vois, j'en ai pêché un beau là, il est là-bas. C'est lui? Ouais. Regarde. Non, je suis déçu. Là. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Sylvain. Geoffrey. Bonjour. Salut. Vous vous connaissez? Bah non, mais ces messieurs nous proposaient d'aller boire un verre. Et en fait, je leur disais que tu serais sûrement pas d'accord. Parce que. T'es assez jaloux et... Ah non, non, bah, que... non, bah, y a pas de problème. Bah, vous êtes vraiment ensemble ou quoi, là? Non. Non. Non.
Non mais c'est bon, là. Je crois qu'ils nous prennent pour des bouffons. Allez, on se casse, là, c'est bon. Et on s'arrache. Des bouffons. Oh, ça va, là, hein. Vous êtes même pas bon, non. Ça va, là, oh. Bon, bah, au revoir. Ah, mais ils sont hyper agressifs, ces mecs-là. Vous avez carrément cassé notre coup, là. Alors, on fait bronzette ? Ouais, ouais. Ça va ? Ouais. C'est chaud, on est bien ? Quoi de neuf ? Oh, bah rien spécial, hein. Comment il va, Julien ? Ah, il lui a encore fait signer un CDD. Ouais. On fait le troisième ? Non. Ah, attends, 20 ans, ça va, mais alors, 28, ça commence à bien faire. C'est sûr que ça va pas l'aider à trouver une copine dans la vie. Ouais. Ouais, ouais. T'as pas une pièce d'un euro, des fois ? Ouais. Je voudrais gratter un morpion, puis j'ai pas de pièce. Tiens. On n'a pas été trop longue. Salut. Ah, vraiment, c'est adorable. Mais, bonjour. Marie, Nami, Patricia, Juliette. Enchantée. Salut. Bonjour, madame. On taille une petite bobette au soleil. Ah. Bon. Bon, ben, je vais te laisser avec tes copines. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Ben, c'est petit, si tout le monde se connaît. Bien droit. Le filet en posant ça là sur ton ventre. Ah oui. Tu vois ? Ok, attends. Allez, comme ça. Ouais. Papa, vas-y. Fais-le, tu vas voir. Et alors que tu le remontes vertical, pas comme un drapeau, hein. Tu le remontes comme ça. Allez, ouais. Vas-y, pousse. Allez, ouais. Allez. Hop, par là, par là. Alors, regarde devant toi. C'est à toi droite. Ouais. Vas-y, marche. Ah hop. T'as eu un truc. Ah, t'as ça. Tu vois ? Je sais pas, ça, c'est un crabe. Non, c'est un crabe peut-être. Alors la pêche est bonne ? Oui. Bonjour, mademoiselle, faut pas parler avec ce genre d'individu, hein. C'est un dangereux psychopathe, il a violé plusieurs petites filles déjà, lui. Ah ouais. T'es con, hein. Bon, tu me présentes pas ? Gilles, Patricia, Juliette, Gilles. Enchanté. Vous êtes sœurs ? Ah, j'aimerais bien. Ah ben, je sais pas quel âge vous avez, mais vous le faites pas. Hein. Ah bah merci. Vous êtes des amis de Sylvain, ça ? Non. Oui, on parle bien de se rencontrer. D'accord. Vous êtes là pour quelques jours ? Ouais, jusqu'à la fin de la semaine. Ah bah super, on aura l'occasion de se revoir alors. On va aller tout plus loin pour voir s'il y a des crevettes encore. D'accord, ok. Ça salue. Bah à bientôt. Bon, bonne pêche alors. Au revoir. Au revoir. Vous êtes droit devant. C'est pas facile. Comme ça. Ah. 15 love. 15 all. Ça va ? Ça va. On t'a pas trop fait attendre ? Non, y a pas de problème. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Attends. Hop là. Ah. Toi, ça va ? Aïe. Alors, attention aux portes. Hein. Ouais.
Voilà. Toi, ça te va bien, cette couleur. Je trouve ça pas mal. C'est hyper doux, non? Oh alors? Ah, c'est magnifique. C'est vrai? Ah ouais. Hein? T'es très beau. Ah ouais. Je suis assez d'accord avec la demoiselle. Je suis assez d'accord avec la modèle. Non, mais ça, ça me grossit pas un peu là, non? Non, pas du tout. Ça me rend tout. Un peu gros, j'ai l'impression. Ah non, mais t'es très beau là avec ce polo. Attends, excuse-moi, je peux. Attends, je fais juste ça pour voir. Ah ouais, mais là c'est. Ah ouais? Ah ouais, c'est parfait. Tu trouves. Ah, t'es hyper beau, tu vas voir. Ça fait pas vendeur de pizza, non? Ah, mais non, pas du tout. Mais non, ça fait. Je sais pas, ça fait. Tennisman. Et regarde cette couleur là. T'aimes bien ou pas? Ah ouais. Vert, hein. Ah oui. Et le bleu? Fais voir. Ah ouais, aussi le bleu. Ah ouais, ça peut être bien aussi. Ouais, bah, c'est peut-être plus c'est classe. J'ai l'impression c'est que les polos me vont bien, quoi. Mais ça te va hyper bien. Non, mais ouais. Non, mais attends. Non. Ce qu'on va faire. Ouais. Vos amies sont ravissantes, si vous me permettez. Vous êtes très souriant et très gentil. Moi, je vous emballe le marine, le vert et le rouge que vous portez si bien. Les trois pour le prix de deux. Ah ouais? Ah, pas mal. Ah bah merci. Hein, Vous êtes très gentil. Faites une petite digue. Quoi? Avec le polo. Vous marchez un peu comme ça, monsieur. Une digue? Oui, tout à fait. Le long de la digue. Ah ouais. Une pomme qui lui tombe sur la tête. Ah, Newton. D'accord. Oh là. Bravo, hein, parce qu'on est un peu. Bon alors à moi. Merde. C'est bon, vous démarrez le top. Alors attends. Non. Mais tu triches, maman, arrête de parler. Le pays. Les États-Unis. Ouais, voilà. Où est-ce qu'on est là? Arrête de parler. Non. Dans une maison. Oui. Dans une couleur. Blanc. Voilà. Blanc. Un président. White. Voilà. Calabrini. Mais non. Marine Monroe. Marine. Churchill. Churchill. Non, attends, regarde. Kennedy. Marine. Bon, Marine Monroe. Mais non. Mais si, Marine Monroe. Non, c'est Clinton. Ah ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bravo. Bon, allez. Clinton. Non, mais c'est pas grave. Allez, Sylvain, ton verre est vide, là. Non, merci. Enfin, j'ai un peu trop bu, puis j'ai des petits problèmes de santé, en fait. Ah bon? Ouais. Et t'as des beaux yeux, hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais quand tu regardes les gens, tu regardes vraiment. C'est rare. Bon, allez, vas-y, un petit coup avec moi, parce que moi, j'ai pas envie de voir tout ça. Non, je... Tu crois pas que t'as assez bu ce soir? Ah non, mais attends, mais... Non, mais qu'est-ce qui te prend, là? Tu me parles pas comme ça, hein? Eh, ça va, je suis en vacances, j'ai le droit de m'amuser un peu. Non, mais attends, tu commences à me gonfler avec tes airs de petite sainte, là. Ça tombe bien, l'année prochaine, tu partiras toute seule. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je sais pas, il est un peu tard, non? Ah non, mais... Non, mais attends. Non, mais on se dispute, tu vois, c'est la vie, c'est pas grave, hein. On a l'habitude. Non, enfin, je sais pas, vous voulez peut-être vous coucher? Pas. Non, moi j'ai pas envie de dormir, là. On pourrait aller danser, non? Je suis pas un très bon danseur, moi. Bon, moi non plus, hein, moi je suis pas danser, mais c'est pas grave, on fait n'importe quoi, on se lâche, c'est pour rigoler, quoi. Il n'y a pas une boîte dans le coin?
Ouais, il y en a une, ouais. Il va falloir les fermer. Oh. Bah, c'est ouvert quand? Vendredi, samedi. Mmh. On y va vendredi? Bon, allez, c'est à moi, c'est à moi. Ok, on y va vendredi. Allez, viens. Allez, va t'asseoir. Allez, viens, enlève ta veste. Vas-y, va t'asseoir, allez. Allez. Vas-y, t'as le droit de tricher comme ta mère, tu peux parler. Top. Une femme? Oui. Sophia Loren. Non. Bill Clinton. Mais non, 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 mais... Bah, une femme. Monica Lewinsky. Un phoque? Une poule? Une poule? Non, pas une poule. Un dadon? Oui, presque un dadon. Une poule? Non, un coq? Un lapin? Mais non, c'est pas un animal. Une femme dadon? Je comprends rien, là. Attends, mais c'est vrai. Bah, Maria. La Vierge Marie. Non, pas du tout. Bah, moi. C'est dégueulasse. Ah, c'est mon rire que t'as fait. Ah, bah, d'accord. J'ai l'air d'un indon, c'est ça? Bah, d'accord, merci. Non, mais c'est assez ressemblant quand même. Pas rentrer alors. C'est dommage, hein, parce que j'aurais bien voulu te montrer l'intérieur. Ah, il y a des grandes pièces avec des boiseries, des longs couloirs. Ouais, ils ont dû tout faire mal à cause du type. Enfin, il y a un type qui s'est installé là-dedans. Ah ouais. Ah bah, il devait être bien, hein. C'est un peu comme s'il avait un château pour lui tout seul. Enfin, vivre tout seul là-dedans. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est un peu flippant, hein. Attends. Oh, il y a des orties, là. Attention, hein. Oh là. T'imagines le nombre de gamins qui ont dû se rouler des pelles là-dedans? C'est pas trop dur d'habiter toute l'année ici, tout seul? Oh, ça va. Oh, j'ai pas mal d'amis. Et toi, tu vis seule? Ouais. Oh, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein, mais... Non, non, mais vas-y, dis-moi, pourquoi tu trouves ça bizarre? Je sais pas. Bah, t'es jolie, tu dois plaire à pas mal d'hommes. Ah. Bon, ouais, les hommes aiment bien coucher avec moi, mais je sais pas pourquoi ça dure jamais. Je dois pas être très rassurante. Enfin bon. Enfin, en tout cas, je dois pas être le genre de fille avec qui on reste, quoi.
Mais bon, je crois que c'est moi aussi. Je me lasse vite des gens. Je suis trop exigeante, je crois. Puis bon, il y a Juliette, hein. Je me suis jamais vraiment sentie seule. N'empêche, c'est bizarre quand on y pense, parce que... On consacre 20 ans de sa vie à ses enfants, on leur sacrifie tout, alors que dès le début, on sait qu'un jour, ils vont partir. Et le pire, c'est que 9 fois sur 10, quand ils sont grands, ils te reprochent d'avoir gâché leur vie, ils te détestent. Moi, tu vois, dès que je vois mes parents, j'ai une boule dans le ventre. Et pourtant, malgré ça, on continue à faire des gosses, quoi. Et toi, t'aimerais bien avoir des enfants un jour? Je sais pas. Ouais. Oh, bah, tu verras bien, hein, t'as le temps. Enfin, je pense que tu seras un bon père. Enfin, un bon mari aussi, hein. Ah bon? Ouais. Je pense que tu pourrais rendre une femme heureuse. C'est vrai? Ouais. Ah, tu crois? Tu veux un petit cornetto? Oui, je veux bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, je te regarde. Je te trouve jolie. Ah bah tiens, êtes-vous une libertine ou une sentimentale? Alors, vous rencontrez votre voisin célibataire à minuit dans la cage d'escalier. 1. Vous lui demandez de vous prêter sa perceuse. 2. Vous lui proposez de boire une tisane. 3. Vous lui demandez quel est son parfum. Putain, maman, tu m'emmerdes, tu vois pas que je suis en train de lire? Celle-là, elle est magnifique. Petite monnaie royale. J'ai appelé mon petit Louis XVI en argent. Elle était où, celle-ci? Celle-là, je l'ai trouvée à Holt. Ah ouais. Bonsoir. 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 Ah, bonsoir. Je vais vous prendre un petit whisky. Ça, c'est fascinant. Et tu veux voir son mari? Il est là, son mari. Ah bon, on peut fumer? Oui, bien sûr. C'est passé, pas de problème. Vous avez du feu? Après. Merci.
Mais bon, moi, ça va, elle est gentille. Hein. J'ai jamais eu de problème avec elle. Pourtant, je l'ai eu jeune. Et puis là, elle va partir un an étudier aux États-Unis. Ah, c'est bien. Elle a de la chance. Parce que moi, la deuxième... Tu fais gaffe, j'en ai pas beaucoup. C'est compliqué. Ouais. Heureusement, la grande vient de me faire un petit bébé. Ah, bah vous êtes grand-mère, alors. Oui. Bravo. Je vais faire voir la photo. Ah, ouais, ouais. Arrête de photographier dans mes pièces. Oh là là. Oh, elle est trop mignonne. Hein. T'as une petite partie. Ah. On voit pas trop la différence non. À ce stage-là. Elle est belle, la photo. Hein. Ouais. C'est vous qui l'avez prise? Non, c'est ta photo-là. Ah, d'accord. Ouais, je peux m'installer? Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de me changer. Ouais, bah la prochaine fois que tu viens habiller comme ça, je te préviens, je te fous à poil, moi. Honteux. Tiens, plutôt que de dire des bêtises, Bouboule, tu veux pas lui montrer ta pièce? Ouais, tu fais gaffe, hein, c'est plus à moi, c'est à mon petit-fils. Ah bon? Ah ouais. 1500 euros, c'est 80 ans avant Jésus-Christ, ça, c'est... Constantinus, ouais, en tout cas. Ouais, elle est belle. Elle est plus belle que lui. Hein. Au moins, elle a les côtés, elle n'est pas comme lui. C'est Alban Rieu, quoi. Je vous offre un verre? Ouais. Mmh. Bah, la même chose, alors. Non, non, rien du tout. Moi, je bosse demain. Je suis pas fainéant comme lui. Hein. Je me lève à 5 heures, moi. Ça va, Bouboule? On paye? Moi, j'en ai un à branler, moi, tu payes. Non, non, tu l'envoies chier, Francine. Puis s'il continue, j'y défonce la gueule. Non, mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une protection rapprochée, quoi. Il manque plus que le gyrophare. Je sais pas si t'as envie de boire un dernier verre. J'habite pas très loin, j'ai du bon whisky. C'est pas très grand, mais c'est joli chez moi. Ouais, non, mais c'est gentil, mais je vais rentrer, là, il est tard. Hein. Allez, c'est les vacances. Oui, oui, mais bon. Et puis, il y a ma fille toute seule à la maison. Bah, elle est grande, ta fille. Toi, en fait, l'été, c'est un peu ta saison, quoi. Il y a de la chair fraîche. Je suis pas comme ça, tu sais. Hein. Moi, je suis comme tout le monde, hein, je cherche l'amour. Ah ouais, en fait, t'es un grand romantique, c'est ça? Bah ouais. Pourquoi tu ris? Bah, comme ça. Tu sais, il faut se mettre un peu à ma place. Hein. Moi, j'en chie depuis que je suis ici. Au début, quand je suis arrivé, je connaissais personne. Tous mes collègues, ils sont mariés avec des gamins. L'hiver, ici, c'est la mort, je vais te dire. Samedi soir, t'as envie de te pendre. Puis les nanas, elles se marient toutes à 20 ans. Ouais, en fait, t'es en train de m'expliquer que si je pouvais coucher avec toi, ce serait sympa parce que t'es un peu en galère, quoi. Non, pas du tout. J'ai juste envie de te faire un petit baiser parce que je te trouve très belle. Attends, je vais te faire un petit baiser. Attends. Attends. Non, stop, pardon. Stop. Ah, bon, de toute façon, j'ai pris une grande décision, je couche plus avec personne. Ah bon, c'est triste. Non, non, c'est pas triste. Oh, de toute façon, j'ai trop bu, je raconte n'importe quoi, là. Non, mais laisse tomber, je vais rentrer. Non, attends. Quoi? Je travaille pas demain, on se voit. On verra. Non, non, mais allez, ciao. Attends. Allez!
Mais non. Mais tu sais, il y a des femmes qui veulent des garçons extravagants et d'autres un peu plus discrets. Ouais. Mais toi, par exemple, Marie, toi... Enfin, toi, t'aurais pu t'intéresser à moi? Bah oui, moi je te trouve mignon. T'es pas mal. Enfin, tu me trouves pas trop timide? Non. Discret. Tu quoi? T'es discret. Ouais. Je veux dire, physiquement, tu me trouves comment? Non, mais pour de vrai, tu me réponds pas... Physiquement, t'es pas mal. Tu pourrais te coiffer un peu mieux. Et ouais, t'as toujours les cheveux en pétard. Question vestimentaire, bon, t'as un beau polo, mais enfin, tu peux t'arranger un peu mieux. Ouais. Sinon, le reste, ça va. Mmh. Mais comme dit Patrick, c'est la beauté du cœur qui compte. Regarde-moi comment je suis. J'ai des kilos. Et quand je l'ai connu, ben, j'avais déjà des kilos. Oh, t'sais. Mais comment vous êtes rencontré avec Patrick? T'as jamais raconté? Non. T'étais au camping, à la ferme. Moi, j'étais avec ma famille, et lui, t'es avec ses copains. Enfin, c'est lui qui vous ont dragué ou... Non, pas du tout. Enfin, moi, personnellement, non. Enfin, comment il s'y est pris comment? Ben, c'est des promenades à la plage. Ouais. Puis un jour, il m'a pris la main. Ça s'est fait tout seul, je sais pas. En fait, t'as parlé, t'as pas... Non, pas trop. Des petits sous-entendus, mais... Genre? Ça nous donne des petits rendez-vous, tu me plais, des petits trucs comme ça. Mais... C'est dur de se concentrer sur la plage. Et tu lis ce livre pour tes études? Non, c'est pour moi, mais c'est bizarre, j'arrive pas à lire si j'ai pas un crayon pour souligner. Ah, c'est marrant, mais moi aussi, je souligne tout le temps. Moi, ça me rassure, sinon j'ai peur de tout oublier. Non, moi, c'est pareil. On va se baigner? Oh non, j'ai pas très envie aujourd'hui. Tu vas pas rester tout seul? Allez, viens. Elle est bonne. Fais du bien. Tu te baignes pas, toi? Non. Non? Tu te baignes jamais, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? Bon. C'est à cause de Patricia, c'est ça. Mais t'inquiète pas, il se passera rien. Les nanas comme ça, elles s'intéressent pas à des mecs comme nous. S'amuse un peu, c'est tout, c'est les vacances. Plus je vais te dire, moi, si j'avais le choix, c'est Juliette que je peux vraiment baigner. Pas, t'as remarqué, non? C'est fou, cette fille. Elle a une grâce, quoi. Mais bon. We'll be right back.
Parler comme ça, elle est cinglée ou quoi? Non mais arrête, calme-toi, ça va, de toute façon c'est de ma faute, je vais y aller là. Attends, tu pars pas comme ça, hein. Tu pars pas comme ça, arrête. Tu restes là. Non mais arrête, attends. Je crois que comme... ça vaut mieux. Allez, non, c'est trop con, arrête. Non mais attends, ça va, hein, on a plus 15 ans, moi j'ai passé l'âge de rouler des pelles en boîte de nuit. D'accord, ok. Bah ben... Je m'en fous, vas-y, je vais danser moi. Ouais, bah ciao. Salut. Pardon. Pas de mal, allez va Tom. Oui? Ah, bonsoir Sylvain. Bah oui, justement, j'allais t'appeler. Bah écoute, à 11h demain matin, ou 11h10, enfin, faut que je vérifie. D'accord, donc je laisse les clés dans la boîte aux lettres.
Ouais, bah écoute, bah merci pour tout, Sylvain. Ouais, ok, toi aussi, bonne soirée. Au revoir. C'était Sylvain qui appelait pour les clés. Oui, je sais, j'ai entendu. Sylvain ? Y a quelqu'un ? J'ai frappé plusieurs fois, mais t'as pas entendu. Tu veux aller sur Internet ? Ah oui. Je peux ? Ah bien sûr, ouais. Tu veux boire quelque chose ? Oui. Je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît. Je te laisse tranquille. D'accord. Sylvain ? J'ai fini. Ça y est, déjà ? Ah oui, merci. Et je voulais te dire au revoir aussi. Ouais, c'est gentil. Non, c'est normal. T'as une adresse mail ? Comme ça, si je veux t'écrire. Ah oui, oui. C'est sylvain80@hotmail.fr. Si tu veux, je peux te le noter. Ah oui. Tiens. Je t'écrirai un mail, comme ça tu auras mon adresse. D'accord. Et sinon, t'aimes bien les fraises ? Oui. Ben vas-y, sers-toi. Hein. Tu rajoutes du sucre ? Ouais. Pourquoi ? C'est bizarre ? Non. C'est juste que c'est déjà vachement sucré, mais ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est drôle, ça craque. Ah, ça craque. J'avais jamais remarqué que ça faisait autant de bruit, là. Mmh. Hein ? Tu lui envoies à maman, elle se rend pas compte. Je sais pas pourquoi elle est toujours attirée par ce genre de mec, ça marche jamais, mais à chaque fois elle recommence. Il y a beaucoup de filles comme ça.
Les garçons qui les aiment, ça leur fait peur. Alors elles préfèrent aller vers ceux qui s'en foutent. C'est de la crème. Ah bon ? Ah oui, pardon. Mais merci. J'en ai plus, là. Pardon. Je sais pas ce que j'ai. Je vais y aller. Ça va ? T'es sûr? Pardon. Je suis désolé. Non. Non, mais enfin, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est rien. J'ai pas envie de rentrer. Je peux dormir ici. T'es sûr Tu viens pas? Je garde le pantalon. Mais non.
resolution world. No flaws, no mistakes, nothing blurred. Connected to the computer, what we gotta do now, fam? A messenger around the screen, and then you hang around. Beyond us, there's a wall of sound. Baby, don't you know I'm good inside? You know I'm feeling good inside. You know I'm feeling good inside. My joy.